Wally Grécule. Longtemps, je t'avoue. Ok, j'ai ok. Non. Attends. Pour dents, calvitie pour calvitie. Hey, ma voiture. Wally, ma voiture. Ah, mais je vais rien faire. Sauf d'ici. Mathieu Hanet, c'est vraiment devenu un beau gosse. Ah, je suis bresson là. En vrai, de vrai, combien sur 20? Là, c'est plus Mathieu Rennes, là, ça c'est Mathieu Rebelle, là. Je vais vous montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'est la voiture que j'avais, tu vois, mais je l'ai peinte en noir. On a crash jaune, quoi. Ça passe, en vrai. Je suis le patron. T'imagines le patron, il est mort comme ça? Bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Oh, le bassin, vraiment. Alors, est-ce que vous avez été servi? C'est pas le bassin avec la chemise. Ouais, ils ont été. Heureusement, oui. Venez, messieurs. Mais j'étais très bien servi. Carmela, j'ai une suggestion pour le bien-être de l'entreprise. Tu vois, ça te dirait pas, genre, on chope des radios comme ça, un mec à l'accueil, l'autre en cuisine, et on balance les commandes? Bah, c'est une idée que j'ai eue. Hein. Et alors, il dit bon. Bah, non, du coup. J'ai jamais réussi à me fournir. Ah ouais? Et toi, ça va? Ça va, nickel. Rien. Toujours célibataire? Oui. Putain, mais quelle vie, hein, quelle vie. Ouais, c'est grave, on va finir avec un burger, je crois. Hein. C'est notre destinée. Hein. Bah, tu sais quoi, je vais aller voir un mec ou deux, ils ont peut-être des Target Walkie qu'ils ont trafiqué en radio, je vais essayer d'en trouver quelques-uns. Vas-y. T'inquiète. Tu me mettais au courant. Ouais, ça marche. T'as plus de chance que moi. Ouais. Allô? Ouais, putain, tu veux quoi? Quoi? Attends, ma voiture. Attends une minute. What the fuck? Quelqu'un avait ma voiture ou pas? Elle était garée à l'extérieur? Non. Oh putain, je me suis garé tout au fond à droite. Ah les filles, vous avez pas vu quelqu'un? Moi j'ai vu personne juste avant. Moi j'étais à l'intérieur, je suis pas. Ah celui-là, oh il est mort. Wallo? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, T'as pas un hélico? Un hélico? Ouais, bien sûr, j'ai une fusée, attends, j'arrive. Ouais, Walid, écoute, j'ai une mission pour toi, croyant. Ouais, c'est quoi? On m'a volé ma voiture. Tu sais, la grosse voiture Emerus GTR qui monte à 300. Ah oui, l'avion de chasse là. Voilà, je m'étais garé devant le Burger Shot. 35 secondes. Je suis revenu, elle était plus là. Tu la retrouves, 10 000 dollars. Je vais faire que tourner avec la voiture. C'est mort. Vas-y, 10 000 dollars. 10 000 dollars? J'ai une question, mort ou vif, c'est pas grave? Nous, rien à foutre. Non, plutôt mort même. Ok, la voiture. Ok, c'est parfait. Ouais. Vas-y, merci beaucoup. Vas-y. Des bâtards. Wallo. Alors, des nouvelles? Aucune. J'ai peut-être un soupçon. Un soupçon? Je me dis peut-être aller voir. Non, je crois pas. Non, je pense au Bénise, on va au Bénise. Je suis parti, j'ai déjà parti. Oh, ils ont pas vu? Personne au Bénise. Oh, les fils. Le Bénise est fermé. Et ouais, non, je me dis. J'ai peut-être aller voir dans les quartiers des Palaces, tout ouais, ça. Les quartiers Bresson. Non, ils sont très très forts. Ils sont très forts. Attends, je vais voir quand même la fourrière, j'arrive. Putain, elle est pas à la fourrière. Bon, j'ai demandé à Cax où est-ce qu'il est mon véhicule. Non, mais ils abusent les joueurs qui volent comme ça. Et même pas ça fait de scène, tu vois. C'est ça qui est roulou avec eux. Putain, faites des scènes, demandez-moi une rançon, faites un truc. Putain de vie de merde. Heureusement qu'ils sont trop greux, quoi. Marre de la vie. Ah ouais? Ça va aller, monsieur? Non, ça va pas, putain, ça va pas. Oh, je me suis garé 30 secondes au Burger Shot, on m'a volé mon putain de véhicule. Vous l'a volé? Ouais, on me l'a volé. Écoutez, vous inquiétez pas, on va signaler voler. Ouais, t'as cru que j'étais une dingue ou quoi? Comment ça, je vais porter plainte? Vous êtes sûr que vous l'avez bien vu? Ouais. Il y avait des employés et tout. Et 30 secondes, je rentre pour prendre mon service, je ressors, il n'y a plus de voiture. Vous savez, le bolide qui monte à 300 km/h. La Batmobile, l'autre, la Emerus GTR. I don't know you. I don't know you. Avec un gros aileron, je crois. Bon, quand je la retrouve, on fait une course, vous et moi, d'accord? Bah non. Bah pourquoi? Non, mais en toute légalité. Vous déposez votre plaque, vous éteignez les gyros et puis on y va, quoi. Ouais, ben non. C'est en toute illégalité, quoi qu'il arrive. Ouais, ça va, quoi, merde. Pourquoi vous avez une vie pétée? C'est quoi? Il y a encore des arabes? Enfin, il y a des délinquants qui ont... Ils ont pas réussi à passer la frontière et... Putain de merde. Non, ça me dégoûte, je te jure. Bon, allez, on y va, les collègues. Allez, Vous me déposer à la fourrière? Je vais prendre un autre véhicule, du coup. Allez. Allez, monte! Non, c'est bon, je conduis! Non, monsieur, abusez pas! Tiens, ça va pas, non? Oh, on a une intervention! Allez, go! Allez, les collègues, allez, on y va! Alors, monsieur, pour la prochaine fois, montez pas comme ça dans un véhicule de police! Ouais, ça va, hein, il était pas verrouillé! Moi, j'étais flic, hein, à un moment donné! Hein. C'est vrai? Ouais, en quelle année? En 98, juste avant la Coupe du Monde! On est sur quelle intervention là? Bourrage flic, hein? Course poursuite? Plus la fourrière! Plus la fourrière pour intervention fourrière! Donc là, on prend en direction parking central les collègues, on va partir. Faites les 10-20! On passe parking rouge! Parking rouge, ouais. On tourne parking public normalement. Non, il y en a rien à la foutre. Tiens, l'ancien PC. Là, écoutez, ancien PC, on longe direction Banner Hotel. On prend sur la gauche direction fourrière. Let's go. Tourne. Voilà. On se gare derrière une certaine rouge. L'individu à l'arrière du véhicule sort un C4 et fait tout exploser. Peut-être pas ça. Non. Allez, bonne merci, bon courage, vidéo. Ciao. Normalement, je l'ai parking. Merci, Cax. Emerus GTR. Oh, il gère. Ouais, allô? Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Elle était où? J'ai demandé à Cax. C'est mon assureur.
Ah, ok, en fait, ok, t'as appelé la GPS, sur... Roya, il me l'a remis directement à la fourrière. Ah, mais ok, t'as ok. Mais les gens, c'est... tu vois, même pas ils m'appellent pour faire Zerma une rançon, rien, juste ils la volent. Ils la volent, juste pour. Tu sais, je me suis voilà. dit, tu voles un véhicule comme ça, tu fais quoi? Tu vas au casino une... Non, mais au pire, tu demandes une rançon, tu vois, tu mets une photo sur oui. Zoop, je sais pas, tu vois. Tu fais un truc, juste pas la vol comme. Fils des pites, va. Oh, bon, mais t'es où toi t'es ah, vas-y, toi je suis à la fourrière, c'est bon. Non, bah j'arrive. Vas-y, range ton véhicule, Montez avec moi. Oui, mais tu prends la route là. Vas-y. Marche quoi arrière, marche avant, mais oh. Oh. Mais attends, mais c'est un baiser lui ou quoi lui? Mais tu veux quoi toi? Ah, mais t'es un malade ou quoi? Mais comment ça, je suis un malade? Allez hop, je te la raye. Toi, je vais te goumer, toi. Tu parles à qui là? À Ron, José. C'est qui? Ah, c'est le clochard. Ah, le clochard, ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Eh, des nouvelles de Kofi ou pas? Tu veux quoi? Tu veux pas prendre une revanche? Kofi? Ouais, une revanche. Mais il t'a planté, frère. Appelle-le. Mais comment ça? Appelle-le. Mais j'ai pas ce numéro, moi. Ah ouais, bah attends, t'es vraiment devenu une Robza, toi, avec le temps. Ah, c'est même plus une Robza, là, c'est une brioche. Écoute-moi alors, bien. 16-06-17. 16-06-17. Ouais, allô. Wesh. Kofi, c'est un appel anonyme, d'accord? Pose pas de questions, Kofi. Un appel anonyme. On va se donner rendez-vous, d'accord? Tu viens seul, pose pas de questions. Tu te verras très vite. A tout de suite. Eh, t'as vu l'appel anonyme? Ouais, j'ai flippé, tu m'as fait flipper. C'est pas mal, hein, t'as vu ou pas? J'ai flippé de fou, quoi. Eh, d'ailleurs, y'a le truc des pompiers, la cérémonie des pompiers, si tu vas aller voir. Où ça? Truc de pompiers. Y'avait les flics, y'avait les médecins, y'avait les pompiers. Ça prévait même pas, ici, là. Si. Wouah, comment c'est stylé? Ouais, ça te fait ce que tu dis. Il est con, lui. C'est ton problème. Et toi, c'est ça ton problème? T'es con, là tu te prends pour Batman. Oui, c'est normal. Reste naturel. Numéro, reste naturel. Ouais. Vous allez bien? Ça va, super, et toi? Ouais, très bien. Que se passe-t-il, madame? Je suis en train d'immortaliser là, regardez. Ah, bonjour, messieurs! Bonsoir. On m'a dit qu'il y avait une cérémonie et tout. Exactement, on vient de finir. Oh non, c'est fini, putain, j'ai oublié le bouquet de fleurs et le paquet de chocolat, je suis désolé. Ouais, vous nous avez apporté tout ça. Oh bah bien sûr. Vite, rentre vite. C'est super gentil. Et en tout cas, bah félicitations, c'est super beau. Merci. Et vous pouvez me faire visiter ou pas? Peut-être un jour. Bien sûr. Oh allez, c'est parti. Je te laisse virer, Isaac. Ça marche, je vais lui montrer tout ça. Merci. Eh venez, monsieur. Allez, c'est parti. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Mathieu Rennes, PDG du Burger Shot. Enchanté, Mathieu Rennes. Alors du coup, ici, nous sommes dans le garage, là où on est, comme dit, 80% du temps. J'ai un petit kiff, vous pouvez mettre les sirènes vite fait ou pas? T'abuses, toi, laisse-nous, il nous fait visiter, là. On va voir ça après, on va voir ça. D'accord. On va voir si c'est possible. Les sirènes. T'as pris le numéro de la meuf ou pas? Captain, vous pouvez allumer les gyros et les sirènes, il y en a un des deux qui veulent aller voir. Ouais! Ouais, de l'engine, ouais. Mais c'est un enfant, c'est pas possible. Viens écouter! Frère, ça y est, c'est des sirènes, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ouais, je t'accuse, c'était quoi, Roya? Tu crois que c'est un album de Tupac, Roya, pour que tu t'en jettes dessus, quoi? Ouah, en plus, c'est rouge comme ça. Comme votre métier. Cuisine, c'est nous, hein. Ouais, le poste rallye, voilà. Les années 90. Ah, ouais. Moi, monsieur, est-ce que la progaine est un de vous? La quoi? La progaine devant le. Oui, c'est une Emerus. Ouais, je l'enlève. Si c'est possible. Let's go! Excusez-moi. Pardon. C'est votre véhicule, monsieur? Ouais, excusez-moi. Allez, je vais vous inviter à déplacer votre véhicule. Vous avez été abordé de $50 pour stationnement de l'OGD. Merci beaucoup, monsieur. Attention, vous bloquez la sortie des camions. Mais non, mais c'était pour la cérémonie, monsieur. Oui, mais écoutez, s'il y a une urgence, les camions qui sont d'Alien ne peuvent pas sortir. Mais moi, je savais pas qu'il y avait des camions derrière, justement. Moi, je pensais qu'ils étaient juste devant, dans la caserne. Regardez, vous pouvez vous stationner sur le côté où se trouve mon véhicule. Non, mais là, vous dérangez les piétons, monsieur, quand même. Vous êtes busy. C'est pas un passage piéton. Et regardez, vous êtes galé sur le trottoir. Non, là, monsieur, c'est grave. Là c'est monsieur, vous qui gênez les piétons, allez, regardez, c'est un trottoir. Moi, je vous amende du $50 et c'est la première fois, c'est la dernière fois là. Allez. Vous êtes sérieux? Mais bien sûr, je suis sérieux. Ça va pas la tête. Je conteste, je ne paierai pas cette amende. Eh ben, allez, portez plainte, je m'appelle Mathieu Rennes. Mathieu Rennes, voilà. C'est compris. Voilà, vous aurez de mes nouvelles. Voilà, mais vous aurez de mes nouvelles, monsieur Rennes. Eh ben, à très bientôt. C'est inadmissible. Avec grand plaisir. C'est inadmissible. Hey, j'ai mis une amende au flic, il voulait m'amender, je l'ai amendé moi-même. Voilà. Je l'ai facturé avec le Burger Shot. Miroir. Et du coup, pour la suite, on va maintenant dans les dortoirs, du coup. Voilà, c'est là où on se repose, etc. pendant nos cartes. Tu vois ça, Roya, c'est les impôts qui payent. Ouais, bah ouais, c'est nous, quoi. Oui, enfin, moi, parce que toi, t'es à découvert. Je suis plein à découvert, c'est ça la différence. Du gel hydroalcoolique. C'est du savon. De prix d'à côté des lavabos, c'est trop risqué, ça, monsieur. On s'en fout, Roya, c'est des pompiers. Mais c'est en foutre. C'est ça, au pire, ça prend feu. Il peut lui-même se faire un massage cardiaque, Roya. Ouais, compliqué, bah oui, mais ouais. Wouah! Du coup, vous avez les vestiaires. Non, mais c'est. Putain, mon sac Eastpak est d'un lycée, Roya.
C'est incroyable. Si on a la petite salle de pause. Petite. Petite, un peu grande quand même quoi. Fait la moitié de la caserne. Elle est grave stylée en vrai. Allez, on passe mon job. Bon, c'est stylé de fou. Petit coin billard, petit coin cinéma et tout. Ça se met bien, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr. Ah ouais, on fait passer le temps quand même. C'est la bande de famille avec les trucs souvenirs et tout. Et c'est ça, c'est une escouade et tout, c'est cool. C'est mal, Zarma, c'est des TikTok épinglés, ça, t'as vu? Ah ouais, les meilleures vues et tout. Après, à gauche, là, vous avez le bureau du chief. Enfin, des chiefs. Et comment ça, des voleurs? Le chief, le chef. Ah oui, je croyais des chiefs, ça va les voleurs. Le petit bureau, on va éviter de rentrer dedans, voilà, je vous montre juste. Ouais, on va éviter, on va éviter. L'accueil, voilà, avec la secrétaire, la tout ça. La photo de famille et tout. Oui, exactement. Elle kiffe les pompiers, tant de ta chance. Putain, elle aurait pris des photos. Dis-lui, vous voulez pas prendre plutôt moi? Je crois que c'est une demoiselle du LS Photo, donc c'est normal qu'elle prenne des photos. T'es une demoiselle de qui? Du LS Photo. Travaille LS Photo. C'est pour ça qu'elle prend des photos. D'accord, c'est une photographe. Eh ben merci en tout cas, merci beaucoup. Bah avec plaisir. Je vous donne combien du coup? Rien du tout. Ah c'est gratuit. Et quand vous intervenez, vous allez-y. Wesh, ils ont niqué le camion. Mettez-vous à côté de lui là. Le camion il est bancal non? Quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, il y a un petit problème d'échelle, il fait un peu la tête là. Vous pouvez prendre un photo à côté du camion ou pas madame? Bien sûr. Ah merci. Tu veux quel camion? Celui-là là-bas là. Celui-là le beau gosse là-bas là. Le beau gosse. Ouais, en mode Zarma, c'est moi le pompier quoi. Ouais, voilà. Voilà. Allez, je me décale. Vas-y, encore une autre. Vas-y, enchaîne. Non, ça y est. Non, bah, après, ça va coûter cher. Moi, j'ai pas trop d'argent, moi. Mais c'est gratuit. Écoutez, c'est 1000$ par photo. Hein. Quoi? Mais c'est gratuit. T'as vu ton style, je peux pas te faire payer. Ah, merci. Parce que le style, ouais. Comment ça? Non, mais c'est que t'as. Vas-y, change la peau. Vas-y, t'es pas. Genre, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais en intervention ou j'y vais pas? Je sais pas. Je réfléchis, je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être un beau gosse quoi? 67 93 09. Hop, c'est rapide. C'est incroyable, moi j'ai demandé son numéro, elle a pas voulu, toi c'est elle qui demande. Mais c'est pour le travail, wesh. Et quand je lui ai demandé, moi pour le travail, venez, viens, on fait une photo à deux. C'est pour el trabajo. Dis-moi, il y a encore un employé qui vient de se faire prendre en otage. Il y a un employé qui s'est encore fait pris en otage au Burger Shot? C'est qui? Il s'appelle comment, Isao? Bobby Fowler, il s'est fait prendre otage sur quelqu'un qui est venu au bar en shot et tu connais hein, tu connais la chanson hein. Attendez. Ah ouais, c'est pour une flicka? Ouais, je pense que c'est pour une flicka. Voilà, je vais faire tout le tour des flicka, je vais les flinguer, attends, bouge pas. Vas-y. Oh, il casse les couilles à prendre des gens en otage, fils des putes. On est en train de travailler. Bah, merci en tout cas pour votre travail. Hein. Pas de soucis, bonne soirée, bon courage. Merci, Walid, go flicka. Merci. Ils ont pris en otage un mec du bar en shot. Ça y est, j'en ai marre là. Qui ça? Des gens qui ont fait des flicka. Fais tout les flicka. La dernière. Place d'équipe, vas-y. Oh, là, je vais rentrer, je vais les flinguer. Vas-y, t'as armé? C'est bon, ils m'ont saoulé. J'ai une arme pour toi. Non, j'ai une arme pour toi. What? Il s'est passé quoi? C'est la question que je me pose. What the fuck? Ça va? Elle est bien. Depuis que t'as changé de connexion, c'est bizarre, toi. J'en ai pas. En plus, elle est garée, c'est incroyable. Voilà, elle est super bien garée en plus. C'est ouf. Allez, vas-y, monte. Non, je te jure, les gens, ils me cassent les couilles là. Après, c'est grave, hein. Et tout, c'est bon, ils se sont enculés là, c'est bon. Limite, ils pensent que c'est le Burger Shot, c'est un marché d'otages. Voilà, c'est trop. Ouais, c'est là. Wouah. Ouah, t'as vu tous les véhicules. Imagine cette course poursuite avec ça là. Ouais, c'est dingue. Ça part, Et non, ça part. Ah putain, ils ont de la chance. Voilà, ils ont de la chance. Vous êtes en retard, vous êtes en retard. Voilà, ils ont de la chance. Attends, mais ouah, t'as vu tous les véhicules. Ah, Bobby, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh putain, j'arrivais pour te sauver, ils ont eu de la chance, ces fils des putes. Bobby, ça va. Putain, Bobby. Oh putain, Bobby. On est inquiet, Bobby. Tu étais dans le beau drap, Bobby, hein. Je connais, vous avez une bagnole qui rentre. Putain. Ah, vous inquiétez pas, justement, je vais revenir avec. Et ils t'ont braqué dans le Burger Shot, ces fils des putes? Non, j'étais sur le parking du Burger Shot. Ouais, enfin, ouais. Techniquement, c'est dans le Burger Shot, hein. Voilà, je vais les percuter, viens. Ah, t'es vraiment sûr de toi? Ouais, je m'en bats les couilles. Ok, let's go. Il faut voir l'hélicoptère. Mets-moi ma bijouterie, bijouterie. Ah, on entend. Bah voilà, ouais, ça marque un point. C'est repassé par là. Bien vu. Juste là. J'ai envie de les percuter, je te jure. Ah d'ailleurs, je te dis un truc. Ouais. Je suis plus à découvert. Jure? Ouais, je travaille au fast topé. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Bah c'est une bonne nouvelle, si, non? Ah bah voilà, ils sont là. Voilà. Ça, c'est parce que vous avez braqué mon restaurant. Tchè! Ouais, bonne dé! Allez, salut! Ouais. Voilà, le karma, je te jure, le karma! Voilà, ça se prend pour des pilotes, ça va braquer au Burger Shot! Salope! Hein, salope! Ah, ouais, c'est attends, mais y'a l'autre là, ton collègue là, quand il me rappelle! Qui ça? Ah, Kofi, attends, Kofi!
On l'a oublié, Kofi. Ouais, on l'a clairement oublié, Kofi. À côté de la station d'essence, là où t'as planté, tu vois, en mode, bah, c'est symbolique. Ah oui, vas-y, vas-y. Vas-y, envoyez la pause. Il est dans la merde. Il est dans la super merde. J'entends une voiture, attends, je regarde. Ah, je crois que c'est lui, ouais. Vas-y, on descend. Attends. Comme dit. 1, 2, 3. Hop là. Quoi? En mode ninja. Salut. Ça Kofi. Va ou quoi? Bonsoir. Kofi. Ah, bonsoir. Tu te souviens de moi? Kofi. Ah ouais, je me souviens de toi, ouais. Ah ouais, ouais. Vas-y. Qui suis-je, Kofi? Ah bah tu es Walid, le mec qui a pété ma voiture. Non, le mec que t'as planté, que t'as laissé pour mort dans la station essence, juste là. T'as des raisons aussi. Il y a un contexte à avoir. Ah, Walid, allez, explique-toi avec lui. Attends, en plus, t'as pas écouté mon avertissement. C'est quoi derrière toi? Ah là, c'est une voiture là. Quelle couleur? Rouge, comme ma petite chemise. Putain. Bien sûr, toujours rouge. Wow. Oh, cette arme, Walid. Je ne baisserai pas cette arme, Kofi. Vous êtes qui, vous? Bougez pas. Vous êtes qui? Pourquoi vous braquez? Dites-moi, il se passe quoi? Mais toi, t'es qui déjà, en fait? Est-ce qu'on t'a invité? Moi, c'est Spider du Bendo. Eh, dites-moi, il se passe quoi? Tout va bien se passer. Pour l'instant, la balle, elle est dans mon camp. Baisse ton arme. Ça va. Lâche-le. Jette ton arme. Vas-y. Spider, voilà, Spider, arrête de faire l'homme-araignée là, je sais pas quoi là. Hein? Enlève ton bandana. C'est quoi la galère là? Enlève ton bandana, on t'a dit, Spider. C'est quoi la galère là? Pourquoi vous le braquez? Remets. Wesh, frérot, c'est quoi ça? Un minimum de respect envers toi-même quand même, ou? Non, sérieux, c'est quoi la galère là? La galère, je vais t'expliquer. Mais la galère en fait, c'est qu'il a planté Walid, il a laissé pour mort à la station. Il m'a planté, sans pression. Il m'a dit, on se reverra. Et tu sais quoi? J'ai fini à l'hôpital. Pourquoi il t'a planté? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Bah attends, il t'expliquera, au pire, s'il reste en vie, il t'expliquera, Kofi, t'inquiète. Ah putain. Il t'a planté, c'est qu'il y a une raison, non? T'as une arme, toi, Kofi? Ouais. Jette-la. Allez hop, je te la jette là-bas. Là-bas, ok? Putain, mon arme. Ouais, tu iras la chercher plus tard, j'en ai rien à faire. Et voilà le travail. Alors, Kofi, on fait l'ancien? Non, déjà, on va faire un tour avec Kofi, on va faire un tour, wesh. Ouais, j'avoue. Pose pas de questions, en vrai. De toute façon, il t'enverra une pause sur une ton position, téléphone, Spider. Quand sera fini, d'accord. J'ai pas pris son téléphone. Voilà, arrête de stresser, Spider, putain. Essaye pas de me suivre, toi, je t'ai à l'œil, Spider. Fais pas le con, toi. On t'a à l'œil, toi. Alors, Kofi, hein? Les retrouvailles, je t'avais promis qu'on allait se revoir si tu faisais le con. Attends, prends son téléphone d'abord avant. Ah, ok, vas-y, je te le redonnerai tout à l'heure. Il est où? T'es où ton téléphone? Poche droite ou poche gauche? Droite. Ah, mais Walid aussi. C'est un petit peu mauvaise foi là. T'es en train de dire que je suis en mauvaise foi? Attends, Kofi, pour une voiture explosée, tu l'as planté, t'imagines? Kofi, t'es pour la voiture, j'ai planté parce qu'il a fait le malin après. Ah, il a dit quoi? Kofi, t'es pas de dire, ouais, je vais te retrouver, mon équipement, on va te retrouver, je sais pas quoi. Ah, mais t'as, oui, c'est. Ah ouais. T'as fait quoi? C'est normal, c'est pas une robe, il va pas se laisser faire. Et t'as fait quoi au final? Tu m'as planté! Eh ouais, et du coup, maintenant, t'as retrouvé. Voilà. Kofi, eh ouais, je suis désolé pour toi, Kofi. T'as une famille? Spider, c'est qui Spider c'est pour toi? C'est ton amant? C'est ton mec? Non, c'est mon pote. Oui, d'accord, oui. Il t'a friendzone? Oui, c'est ça, c'est ton pote. Tu crois qu'on l'a pas vu comment non, il... Non. Il te regardait avec la langue qui bavait et tout. Oh oui. Pourquoi tu crois qu'on lui a dit de remettre son masque? On a vu toute la bave, hein? C'est pas que la bave, hein, il y avait des trucs blancs bizarres là, vas-y, il m'a dégoûté lui. Oh là. Comme par hasard, hein? Spider, tu le connais d'où Spider? Ah bah je le connais du quartier. Et pourquoi tu l'as ramené vu qu'on t'a dit de venir tout seul? Ouais, hein? Parce que j'avais pas confiance en lui et j'avais bien raison. En qui? En Spider? Pourquoi il t'a trompé? Avec qui? Mais tu savais même pas que c'était moi, connard. Justement, c'est moi, y'a un mec qui me dit. Il me dit de venir, j'ai pas confiance en lui, c'est normal, je le connais et pas. Et pourtant, tu vois, moi je suis venu, j'étais pratiquement solo. Pratiquement. À une personne près, on est une venu personne solo. Près. Donc au final, toi, t'as pas respecté les termes du contrat. Moi, j'ai jamais dit que je venais solo. Toi, par contre, tu m'as dit que tu venais solo. Ouais, le contrat, c'était quand même, on devait faire un tête-à-tête. Oui, bah on va le faire, on va le faire. Pourquoi on l'a pas fait là-bas? Non, parce qu'il y avait Spider, wesh. Il casse les couilles, il a braqué tout le monde. Il a braqué, il a un super-héros, quoi. On t'a pas braqué, oh. J'espère qu'il a récupéré ton arme, surtout. J'espère aussi, parce que sinon, vraiment, il est con. Oh bah je crois qu'il a vraiment le délire quoi. Allez on va se mettre dans l'herbe, c'est ouais, bien l'herbe. Ouais l'herbe c'est bien ouais. Ça change un peu quoi. Ouais, là c'est bien, on a une vue panoramique en plus. Incroyable. Putain, regarde-moi ça Kofi. Là je suis à deux de te baiser. Allez, je vois pas grand chose là, j'ai la tête dans le cul de Walid. Mais si là tu vois, arrête. T'as mis 5 000 $? T'as 5 000 $? Bah oui, puisque tu m'avais réclamé 5 000 putain de dollars pour ton putain de véhicule que j'ai explosé.
Eh ouais, faut que tu le rembourses maintenant. Allez, 5 000 $. Tu m'as jamais donné 5 000 $. Oh le pâte. Kofi, l'important c'est que toi maintenant tu me dois 5 000 $. Le coup de couteau il valait 10 000 $, tu me dois 5 000 $. Ah là j'irai sûrement, là je te cache pas. Tu sais qu'il est resté 3 jours au fauteuil roulant et tout. Alité. 3 jours. Bah bien sûr, wesh, 3 jours. Tu lui as baisé son week-end, t'es un salopard. Ouais, mais c'est toi. C'est toi qui as commencé, t'as commencé à péter ma voiture. Moi là-bas, je voulais rien avec toi. C'est moi le problème. Eh Kofi. Kofi, voilà, je vais te remettre dans un avion, je vais te jeter sans parachute encore une fois. Non, pas l'avion, pas l'avion. Et pas sur l'eau cette fois-ci. Oh, c'est bon, pas l'avion, ça m'a suffi une fois. On fait comment, Kofi? Ouais, je t'avoue, on est dans une mauvaise posture un petit peu là. Quoi, vas-y, pourquoi? Développe, raconte-moi. Bah, lui, il est dans une mauvaise posture, bah oui. Raconte-moi ta vie, parce que bon, parce que tu crois que je suis assistante sociale. Vas-y, raconte ta vie. Mais à la base, moi je te connaissais pas. Ah, ok. Voilà, Wally, t'es pas une Robza. J'ai pas une Robza, d'accord. Si tu veux, j'ai 10 $ là sur moi. Ouais, il se fout. Eh, mets-lui une balle dans le genou, c'est bon là. Non. Attends, donne-moi déjà les 10 $. Mais t'es sérieux toi, 10 $? Attends, t'inquiète. Donne-moi 10 $. Maintenant, tu me dois toujours 5 000 $. Oh. Mais ça fait 5 010 là. Et les intérêts, les intérêts. Voilà, les intérêts, mon pote. Ils sont mes 5 000 $. Propose 5 000, tu donnes 10, toi aussi, tu te fous de la gueule du monde. C'est pour commencer déjà. Ouais, c'est un bon début. Tu m'as donné quelque chose bizarre, je m'en souviens pas. Bah, si, là. Non, je m'en souviens clairement pas. Non, je me souviens pas. On va en donner 10. Bon, Kofi, ça va être simple. Soit tu lui rembourses 5 000 $ dans un délai de 24 heures, soit on te retrouve et on te charcute comme un kebab. Tu sais c'est quoi? C'est fini maintenant. Vu que tu ne réponds pas, il te reste 10 heures. Ouf. Mais. Tic, j'ai pas fini sa phrase. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Le temps tourne, Kofi. Le temps tourne. Bah, d'ici demain soir, on n'a pas les 5 000 $, ça y est, c'est bon. Je vais t'attraper par le callback, t'es mort. Là, t'es mort. Et tu sais quoi? On fera même une interview pour le Vision News. Ah oui, c'est vrai, Kofi, t'es vraiment quelqu'un de gentil. Mon gars, putain. On laissera une petite lettre, bien évidemment, signée de ta part. Eh oui, avec ton doigt, ouais. On est beaucoup trop malin, croyable. Mais pas tout compris, là. Tu me dois 5 000 $, c'est bon. Non, ça, j'ai compris. Pourquoi t'as une hélicoptère? Pourquoi t'es une Pouka? Pourquoi t'as une hélicoptère? Hélicoptère, il faut d'hélicoptère. Ah, l'enfoiré. Travaille avec le LSHD. Hein? Ou c'est une couverture avec le LSPD? Hein? T'es une poucave, c'est ça? T'es sous couverture? Hein? T'es une donneuse, t'es une donneuse. Tu donnes, t'es sous plaid, t'es sous couverture, t'es sous quoi là? Non, je suis sous rien du tout. Ouais, c'est ça, t'es sous poucave, t'es des chiens, va. Hein? Bon, vas-y, Wally, régle son compte et puis rendez-vous demain pour les 5 000 $. Allez, c'est bon. Trop de blabla pour rien là, c'est bon. Attends 2 secondes. Fais quand même attention. Comment ça? Comment ça? Fais attention à qui? Comment ça? Hein, développe? Comment ça? Comment ça? Non, mais c'est juste, je suis pas ton pied, allez, tu vois. Ferme ta gueule, toi. Allez, hop. C'est waouh! Voilà, ouais, tu veux ton tête contre tête? Allez, c'est bon. Voilà. Allez, vas-y. Bon. Vas-y, on va faire un tête contre tête. Vas-y. Non. Vas-y. Allez. Ah, vas-y, défends-toi. Bah, défends-toi. Bah, alors, pourquoi tu prends la fuite? Bah, alors. Petit Romsa, alors, t'arrives pas à taper? Bah, alors, hein, Romsa, t'arrives pas à taper ou quoi, là? Mais 5 000 $, il te reste 9 heures actuellement. Oh, putain. Attends, le dernier, c'est pour moi, s'il te plaît. Vas-y. Oh, putain. Je crois que tu vas bronzer. Je te jure, tu vas bronzer. Kofi, arrête de bouger. Bouge pas. Attrape-le. Bouge pas. Kofi, tu vas te manger bêtement une balle. Hein. Ça serait dommage. Ouais. On peut négocier quoi? Il te reste 8 heures. Quand tu l'as laissé. Comment ça, 8 heures? Quand tu l'as laissé pour mort, hein? Quand tu l'as laissé pour mort, t'étais bien content, Kofi? Hein, Kofi? Wally Drekul. Je suis content, je t'avoue. Ok, j'ai ok. Non. Attends. Pour dents, calvitie pour calvitie. Arrête. Putain. Hey, ma voiture! Wallet, ma voiture! Ah, mais je vois rien faire! Souffle dessus! Ouais! Oh merde! C'est bon, Wallet, j'étais! J'ai soufflé, putain! Ouais, j'ai vu! On l'a bien baisé, là! Je me suis aussi fait baiser! Non, mais tranquille, en vérité! C'est bon, là, je pense qu'il a compris la leçon, en vrai! Allô? Ouais, Thomas, ça va, quoi? Tu peux bien me charger, s'il te plaît? T'es où? Là, je suis dans le quartier riche, je peux t'envoyer une adresse si tu veux. Ouais, vas-y, envoie-moi. Vas-y, beau gosse, on fait ça. Il a compris la leçon. Toi qui me ramènes mes 5 000 $, ça me va. Bah, c'est sûr, je vais te les ramener. Ah, merci Thomas, tu gères. Ah, Thomas! Ça va, Thomas? Ça va quoi? Ouais, nickel. Ouais, allez, ça va, et toi, Thomas? Let's go! T'as dit quoi, Thomas? On va faire un barbecue avec des potes là. Bien, hein. Ouais, c'était incroyable. Et c'est bon, Bob. C'est bon, quoi, du coup? Bah, en fait, Bob, au moment où j'arrive à la flica, ils sont barrés, les salopards. Mais le karma les a rattrapés. Et ils se sont fait péter. Comment c'est merde, depuis que Carla te parle plus Ben en vrai ça me fait un peu chier mais... On est d'accord. Mais tu suis avec, tu vois. Tu veux pas qu'on trouve une meuf? Bah là je suis plus intéressé par le travail, tu vois. Non mais frère, à un moment donné oui, mais après... C'est bien de travailler mais faut se divertir un peu, tu vois. Ça sert à ça le divertissement. Parce qu'après tu vas saturer. Bah oui, après ça va être les problèmes. Faut se vider l'esprit et pas que.
Tu vois ce que je veux dire ? Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil gros, clin d'œil baveux. Ouais. Hein ? Baveux surtout, hein. Ouais, j'avoue, j'avoue. On est d'accord. Après, Mathieu, avec le coup de la meuf de la dernière fois, je te... ça m'a un peu... C'était quoi le coup de la meuf de la dernière fois? Ah ouais, ouais. Non mais oui, t'inquiète. Ohio. Je te gère. T'inquiète pas, attends-moi. Dès que j'ai un truc sous la main, je te passe le numéro. Oh. Vas-y, vas-y. Bonsoir. Si, vous voulez quoi? Vous voulez quoi, les boys? Vous voulez quoi? Bien sûr, on est là. Venez. Dites-moi, j'ai un flow ou pas comme ça? Bah pourquoi je gère aucune meuf alors, expliquez-moi. T'as un flow mais t'as pas de flou, Roya, donc du coup c'est un anime. Ça, du coup. Mais viens à la soirée demain, au pire demain. Vas-y, demain y'a une soirée. Soirée Free Fight à 22h30 au Free Yellow Fight Jack. Ouais mais attends, mais je vais venir. Inscription 100$ plus boisson offert. Un cash prize de 50 000. Oh mais la tête de ma mère. Oh là, je vais là-bas, je vais tuer tout le monde. C'est où? Je crois que c'est pas le but, hein. Non mais quand j'y tue, non mais... Techniquement, à côté. Techniquement parlant, quoi. Est-ce que t'as une paire de Dior en 44? Est-ce que j'ai déjà une paire de Dior tout court? Est-ce que t'as une paire de Dior tout court? Non, j'en ai pas. Les B23, dommage. Si tu veux, à la limite, l'aéro. Dommage. Je te les aurais échangés. Pour de quoi? Sac Louis Vuitton. Louis Vuitton? Mais t'as cru j'ai celui-là, piqué là. Ou t'as cru, que je suis un Mathieu V, moi, ou quoi? Putain. Il est beau, en vrai, hein. Il est beau. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Comment ouais, est-ce tu le veux? Combien? C'est combien? 100. 100 quoi? 1000. 100 000. 100 000. Il a tenté. Allez, c'est bon, je l'achète. Genre avec ta mère. Hein? Oh, mais la daronne tranquille! Ouais, mais l'oseille, je te lâche. Tu vois, j'allais te lâcher, tu vois. T'as insulté ma daronne, c'est mort. Grave! Ouais, c'est abusé, ça! Moi, ce que j'ai entendu, hé, ta daronne. J'ai entendu voilà. Ta daronne, hein. Hé, mais t'es un malade, quoi! Je sais pas, je crois qu'elle s'est blessée, elle me répond plus. Comment ça, elle s'est blessée? Ouais, toi, tu foutais un chat noir, toi. Mais non, elle a fait. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est pas blessé, ça, mon pote. T'as quoi contre les chats noirs? C'est pas blessé, mon pote. On est 15 là. Les gars, il était en découvert à moins 25 000. Aujourd'hui, il est passé au-dessus de la barre des zéros. Depuis, il se la raconte de fou. Wow. Wesh, t'en as pas marre? Attends, tu sais pas combien tu es, c'est ça le problème. Il a 2 dollars. What? J'ai 1600, mais attends, comment ça se fait? J'ai 1600. N'oublie pas que tu me dois 10 000 dollars, sale chien. Ah bah oui, attends, paiement majoré, Beniz, LSHD, Beniz, wow, LSHD. Wow, ça me rappelle les impôts, ça. Oh, mais ça m'a pris 3000 dollars. Quelqu'un peut nous déposer à la fourrière, s'il vous plaît? Por favor. Bien sûr. Qui a une caisse 4 places? On va tous ensemble. Ah, on fait un convoi. Ok, c'est parti, les boys. Vas-y, allumez les radios, on se met sur une fréquence. Voilà, monsieur. Je vous donne combien? Rien du tout. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci les gars, en tout cas. Bonne soirée. Vas-y, pas de quoi, bonne soirée. Bon convoi, les boys, bon convoi. Partons avec des klaxons, full klaxon. Mais t'as cru que c'était un mariage ou quoi? La toi, t'es grave. Oh, tu devrais ouvrir un garage. Ce véhicule il est pas ouf. Sors, vite, sors. 1. Ok. 2. Sors, saute. T'as réussi. Bah. Putain, mais Roya, mais t'es jamais assez vif, c'est un truc de ouf. Tu me fous la honte à chaque fois, wesh. Je suis jamais dans les temps, putain. Ah, vous êtes un client? Yo, Ken, ça va quoi? Non, salut Ken. Toujours. Ken, le véhicule, comment il a fait pour arriver là-bas? Ça, c'est avec les nouvelles dépanneuses ultra lourdes qu'on a, on les met là, genre. Un truc de fou. Ça fait de la pub de loin, genre. Mais c'est stylé. Bon, Roya, salade tomate oignon pour la voiture, s'il te plaît. Okay, mets de la sauce sur les frites. Si, c'est nous, nous, on est pas dans le Mathieu V. Hein. Nous, on est sobre. On est hyper discret, une voiture sobre. Voilà, c'est ça. Pour vraiment personne ne me remarque. Et voilà, là, c'est bien, ouais, nickel. Ouais, alors, attends, je vais te mettre un mot. Non, ça va être compliqué. Walid, faut te respecter, Walid. Ça va, t'inquiète. Bah là, t'as la totale de ce que t'as besoin. Walid, faut te respecter, wesh. Là, actuellement, là, écoutez, il travaille pour nous. Donc laissez-le travailler pour nous, s'il vous plaît. On travaille pas ici, t'ouvres ta bouche. On travaille pas. Quoi, moi? Oh, il va y avoir un embrouillé. Moi, je peux jouer ma bouche, ouais. Ferme-la un petit peu, s'il te plaît. Mec. Si je la ferme pas, boy. Voilà pour toi. Eh ben je vais te la faire fermer. Ah, j'aimerais bien faire ça. Et comment, man? Mais t'as tout cassé, gros naze. Putain, bon allez. Putain. Allez, ça va se régler sur le parking, je crois. Allez, c'est parti. Ouais. Pas le mal, pas dans le garage. On a pas le temps pour la bagarre. On a pas des voilà. On a plus l'âge. Bon, Walid. Bon, Walid, il se dégonfle là. Allez, venez, je vous attends. Un par un, je vous prends un par un. Un par un. Et on a plus l'âge de se bagarrer. Bien sûr. Attends. Ah, Kofi. Ouais, alors mes 5000 dollars, ils sont où, Kofi? Waouh, Walid, raccroche, Walid. Kofi, attends, je vais dégager des mecs, attends. Voilà. Je te jette ton téléphone par terre là. Mon téléphone, bordel. Comment là? Je vais faire un. Ah, ça veut la jouer. Ok. Tu vas où? Oh là là. Tu veux chercher quoi? Mais non. Ouais. Ouais, c'est bon, t'es mort. Wow. Ah ouais, les boys, ça veut jouer. Calm moi, on s'est dit 1-1, point contre point. On n'a pas dit des petits ustensiles.
Et moi j'ai pas votre temps, alors vous dégagez d'ici, ok? Alors pourquoi t'ouvres ta bouche? Parce que j'ai pas votre temps, boy! Range ton arme. Range ton arme, mon petit gars. Alors là, vous êtes dans la merde. Ouais, alors là. On a dit quoi? One. Mathieu, déconne pas, pose cette licorne. Frérot, ça crache du feu cette licorne, je te jure, ça crache du feu. Faites attention, faites attention. Calmez-vous. One. Give us fight maintenant. One. Give us fight. Je savais qu'il y allait voir personne. Voilà, Walid. Je le savais, les boys. C'est ça qu'on veut. Vas-y, alors maintenant, vous dégagez de mon territoire tout de suite. Monsieur Wally. Ouais, t'es grave autoritaire. Oui. Ouais, allez hop, oust. La petite racaille là-bas, ça dégage. T'as vu comment ça va dégager, t'as vu? Ouais, moi et mon équipe, on va vous deg-deg la prochaine fois, ok? Tu vas rien faire. Attends, j'ai la tête de mon équipe là. Je vais boire un coup là. Voilà. Et faites attention, la meuf c'est la plus dangereuse. Alors faites attention à vous. Allez, la petite racaille, ça dégage. Ah ouais? Ouais. Non quoi? Ouah, roule-moi sur mes Nike, t'as un homme mort. Vas-y, roule. Vas-y, roule. Les couilles, ouais. Oh, mais t'es un malade. Mais descends. Attends que je me relève, Ah putain. Il va falloir faire un bouche à bouche, oh là là. Un bouche à bouche, moi j'en vis, moi. Voilà. J'ai mal au pied, du coup, moi aussi. Mais Nike. La coupe, je vous ai relevé. Il a niqué tes Nike. Il a niqué mes Nike. Il a complètement niqué tes Nike. T'as vraiment niqué mes Nike, là? Ah, désolé, Mais comment ça, désolé, wesh? Calme-toi, il fallait que l'extériorise. Calme-toi. Eh ben voilà, vous voyez quand vous l'énervez. Alors maintenant, dégagez tout de suite. Il a roulé sur mes Nike, wesh. Mais bon, il a roulé dessus. On s'est fait respecter, madame. Ça s'appelle comment, d'ailleurs, les mecs, là? C'est pas. Oh, les losers. Ah ouais, mon pote. Des bonnets rouges. Des bonnets rouges. Des clochards au pire. Hey, je crois que c'était des comment ça va, là. Madame? Ah oui, c'est les Allemands. C'est les Allemands, regarde. C'est qu'on a embrouillé là. Oh. Wesh. Attends, c'est peut-être ta voiture. Attends, c'est peut-être ta voiture, ça. Wesh, c'est quoi ça? Hamdoulah, c'est pas où. Ouf. Bonsoir, vous allez? Ah, ouais, ça va super et vous? J'ai entendu une explosion dehors, c'était vous? Non, c'est pas moi. Je sais que japonais et tout, kamikaze, mais non, je sais pas. Non, mais justement, à chaque fois qu'il y a des arabes ou des asiatiques, à chaque fois ça fait boum. Que Dieu vous bénisse. Je te jure, c'est abusé. C'est vrai que t'as pas tort. Bah après, ça fait beaucoup boum chez nous là, Little Tokyo. D'ailleurs, ça fait boum. Ah, tu viens de Little Tokyo toi? Ouais, j'ai Little Tokyo. Ça va, c'est tranquille là-bas? Ça va, c'est tranquille. Écoute, on se soit avec la police. Walid, il est en galère de fou là, t'aurais pas une meuf à lui présenter, une soeur à toi, une cousine ou quoi? Tsukiko? Tsukiko, ouais, vas-y, on voit, tu peux essayer d'agir. C'est un mec bien, Walid, hein, attention. Regarde, comment j'ai le flou. Mais t'as son numéro, dis à Walid. Tsukiko, vas-y. En plus, elle est plus avec mon second, donc tu peux faire ce que tu veux. Oui, ça, j'ai cru comprendre. Parfait, alors, nickel. Ah, pauvre petite, elle a plus son second, elle a que des problèmes. Merci pour les infos, tiens, descends de là. T'as d'autres infos pour nous, on est là. Merci pour les 200. Ah, merde. C'est le meilleur. Décale. Oh, merci. J'espère que je vais te. Attends, juste dis-moi, la vérité dans les sushis, c'est du poisson que vous mettez ou c'est autre chose? En vrai, des vrais. Chez les japonais, c'est des sushis. C'est des vrais sushis avec du vrai saumon, du vrai thon. Chez les chinois, je sais pas ce qu'ils mettent. Oh, m'en dis pas plus, malheureux. Merci. Kiko, ah ouais, c'est vrai, tout Kiko. Ah, mais non, elle est trop. Elle a pas de conversation. Justement, il y a que toi qui parles, c'est trop bien. Mais le problème, c'est qu'elle est triste, elle a perdu ses deux enfants. Rien à foutre, c'est bon, frère. Justement, fallait oublier, je fais la rigoler un peu. Attends, il y a Mia, je vais. Attends, Mia, c'est ça. Mais elle va se marier avec moi. Je vais la. Non, la dernière fois, elle m'a dit que c'était compliqué. Ah, on aime bien quand c'est compliqué, hein. C'est pour ça que je valide. Chiche, comment ça, chiche? Comment ça, madame? Pois chiche, ouais. Clochard. Voilà. Malade. Genre, elle t'a dit t'étais pas capable. Voilà, chiche. Ouais, ça va, Mia? Mia. T'es où? Tu fais quoi? T'es actuellement occupé? T'es où? Ah ouais. Comment ça, tu peux pas me dire où t'es? Tu te fais soulever? Oh putain. Non, tu te fais pas soulever, mais presque. Waouh. On t'a tiré dessus? Waouh. T'es où? Mais t'as pas confiance en moi? Attends, là, avec Tsukiko, ils se sont fait tirer dessus. Ouais, mais elle veut pas me dire. Elle m'a dit, ouais, on est en sécurité, on peut pas te dire. En sécurité? Bah non, vu que tu. Aïe, ça va ou quoi, Tsukiko-san? Ça va. Comment ça, vous vous êtes fait tirer dessus? Toi, tu t'es pas fait tirer dessus? Ok, t'es où? C'est ton meilleur ami? C'est qui ton meilleur ami? What? Comment ça? Attends, déjà, comment ça, meilleur ami? Ousmane! Ah, Ousmane! Il habite où? Tu peux m'envoyer une pote? Bah, parce que je voulais venir de vous voir moi aussi. Pour voir comment vous allez, wesh. Pour voir comment vous allez et tout. Vous êtes des potes? Chef. Du coup, vas-y, envoie-moi la pause. Vas-y, merci. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, mon véhicule? Attends, mais il se passe des trucs bizarres aujourd'hui là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon véhicule? Tu fais quoi? Bah, c'est mon véhicule. Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Non. Je parlais pas à toi, je parlais à mon chien. Ah! D'accord, mais attends, c'est toi qui as ramené mon véhicule?
Oui, c'est moi. Tu l'as trouvé? C'est celui-là, là. Je l'ai trouvé. Ouais. On l'a trouvé où, Jibi? Tu vois, à côté des axes? À coucher. Ah, si. Prime, prime. Vas-y, t'es un bon, prime. Bah merci. Si. T'inquiète. Et attends, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Mathieu René. Je travaille pas. Ah, mais c'est mon patron. Ça va, Mathieu? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Moi, et c'est Junior. Comment, Junior. Junior, ouais, ça me dit rien. Ouais. Et ton chien, il s'appelle comment? Il s'appelle Jibi. Et Rouya, tu sais, c'est quoi l'exception? Quand tu lui parles en français, il comprend pas. Quand tu lui parles en arabe, il comprend. Wallah, regarde. Il fait l'arabie, hein. Ouais, regarde. Jibi, rouge. Ah ouais. Ah ouais, attends. Attends. Jibi en français. Jibi en français. Non, Jibi, n'bah. Ah, il comprend pas. J'ai pas encore appris ça. Il la comprend pas, tu vois. Ah ouais, voilà. Ok, Jibi, assis. T'as vu, il va pas comprendre. Non, attends, Jibi, glisse. Oh, glisse. Ah, vas-y, comprends pas l'arabe, tu te fais de ma gueule ou quoi? Ah, c'est une arnaque, Jibi. C'est une arnaque. Non, faut le buter, je pense qu'il faut le buter non, là. Arrête. Attends, tu vois? En fait, faut sortir le flingue. Non. Si, bah regarde, faut sortir le flingue, il m'a écouté. Ah, regarde, regarde. Assis. Voilà, là, il veut pas. Vas-y, assis maintenant. Arrête. Assis. Il comprend pas, regarde, dis-lui, Krim. Dis-lui. Krim? Jibi, Krim. Voilà. Bah, regarde, je dois y aller, je suis désolé. Vas-y. Bisous. Et t'as dit quoi? Dis, dépêche-toi, Smile est triste. Ah, mais non, justement, c'est-à-dire, prends soin de moi, quoi, protège-moi. Attends. T'es où, mon super-héros, quoi? Ouais, Smile est triste. Oh! Je bombarde. Voilà, oui, mais regarde, j'ai pas envie de mourir, frère. Non, t'inquiète, tiens-toi bien. Il fallait tourner. Voilà. Tu me disais? Ah, commence pas à faire le mec là. Voilà, tu me disais? Voilà. Oh, mais attends, jour, c'est pas... comme toujours. Mais attends, tu m'as mis un coup de pression aussi. Ta bouche. D'ailleurs, toi, faut qu'on parle, toi. Comment ça? Oui, faut qu'on parle, oui. Ouais, faut qu'on parle. Oui, faut qu'on parle, ouais. Ouais, bah pardon, vas-y, parle. Vas-y, parle toi d'abord. Ouais, bah écoute, Tsuki, quoi, elle m'a dit un truc. Comment ça? Comme quoi, tu l'aurais dit que j'ai plusieurs femmes. Hein? Ouais, elle m'a dit. Tu peux pas gérer une meuf? Bah, c'est ce que. Elle m'a dit, oui, ton pote de la dernière fois. Je dis qui? Mais habillé. C'est quoi ton pote déjà? Salut les blessés, ça va ou quoi? Allô? Tranquille toi? Ouais, tranquille, on est posé au calme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Qui est en danger? Bah, nous sommes les super-héros, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir! Il y a personne en danger là. Oh, oui, c'est moi, ça va ou quoi, Tsuki? Bien et toi? Dis-moi pourquoi ta chemise est en sang? Parce qu'on a été au barbershop, on s'en bat avec des mecs, on a tabassé des Allemands, c'est une longue histoire quoi. Très longue histoire. Ouais. Des mecs qui ont fait rouler sur Mena et que du coup je les ai défoncés, Walid m'a aidé, heureusement qu'il était là. Ah, ok, ouais. Incroyable. Ouais, pas facile la vie quoi. C'est pas facile mais bon. Bref, Walid, ils sont où mes 5000 dollars? Vous les connaissez ou pas? Vous les connaissez? Comment ça, quels 5000 dollars? Oui, on les connaît. Non, mais c'est le quartier, hein. Wow, c'est un guet-apens. C'est clairement un guet-apens. Couche-toi. Alors, les gars. Wow, couche-toi, c'est un guet-apens. Je veux pas de problème. Couche-toi, c'est un guet-apens. C'est mes amis, t'inquiète. On n'est pas là, nous sommes les traîtres. Non, désolé. Vous nous avez pas vus. C'est qui ces deux-là? Nous sommes les traîtres. Vous ne nous voyez pas, d'accord? Alors, Walid et son ami. Salut, c'est moi, c'est Mathieu. Salut, moi, c'est Walid. C'est Mathieu et Walid. Ouais, non. Attends, mais c'est Rob. Attends, c'est vraiment devant moi là. Oh, bien sûr. Ça va quoi depuis putain? Ça va quoi les mecs? Traîne au quartier maintenant. Bah ouais. Putain, Amsrod, t'as goulé un peu. Bah ouais, et vous, c'est riche hein, depuis que t'es revenu de Baïdou hein. Exactement. Ah ouais, ça raconte quoi? Tranquille et tout. Mais quel quartier déjà? Ici. Ouais, c'est quoi comme quartier? Marina? Ils ont ça comme ça, ouais, la plage, ah, les ouais, canons. Ça représente tous les poissons et les bateaux, c'est ça? Exactement, les requins. T'es dans des bails bressons là? Ouais, et toi, ça dit quoi alors depuis Mathieu? Tu sais, quand je t'ai vu, t'avais pas de lunettes. Maintenant, lunettes teintées noires, t'es un mec bougeson. T'es mal à la montre, poignée gauche. Ouais, mon gars. Hey, les gars, quand je l'ai connu, il faisait du popcorn. Ouais, je faisais du popcorn quand même. Maintenant, ça devient quoi? C'est les voitures qui servent à rien, ranger. Ouais, mais il y a des voitures, ils sont maintenant. T'as capté? Ouais, j'ai capté. Hein? C'est quoi maintenant? Maintenant, ah mon gars, maintenant tu vois pas, il a des gants. Tu fais des trucs sales, mon gars. Attends, mais t'es un vrai OG, man. C'est Wally. Oh, ça raconte quoi? Toujours dans le nord avant tes paquets de bonbons? Dans le nord, on le fait dans le sud maintenant. Sérieux? Je te dis, on a glow up. Et d'ailleurs, j'ai des trucs pour vous là. Ouais, Mathieu. Ça va ou quoi, Mathieu? J'ai des Rajibus rouges, croyant. Bah, intéressant. Oh, vas-y. J'en ai plein là. Moi, je suis preneur, moi, Mathieu. Combien, comme d'habitude. Je sais pas du tout. On est là, on est. Vas-y, tu sais quoi, je vais te donner quelques singes. Tu me dis combien ça se vend et comme ça, on se met d'accord sur un prix. Attends, je suis occupé là. On va comme ça? Vas-y, on va comme ça. Vas-y, je te recontacte d'ici demain. Tu dis ce que t'as à dire, Blake. Ouais, Blake. Non, mais ça. Attends, Blake, l'heure du Hilib, tout ça?
Ouais, ouais, c'est moi. Bah attends, mais tout le monde a globe ici ou quoi là? Comment ça? T'es mon cousin. Quand je t'ai reconnu, t'étais tout petit, maintenant t'as globe des fous. Oh là, ça grandit, c'est bien, les petits. Et t'as Eric. Bah mon gars. Viens. Ça va quoi sinon, Mathieu? Alhamdulillah, il est où Walid? T'habites tout le temps derrière. Ah, Walid Johnny, il doit encore 5000$. Ah ouais, pourquoi? Tu te rappelles quand on m'avait braqué? Ouais, enfin lui, il t'a braqué parce que moi je te connaissais pas à l'époque. Ouais, c'est vrai, il me devait 5000$ ce jour-là. Il était à découvert de moins 20 000. Il vient à peine de passer en positif là. Bah, tu sais quoi, rebraque. Non, c'est pas grave, Walid Chouni il est un peu fou, je crois il est parano le... Non, non, il est pas parano, il est algérien, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, ok, voilà, ça change la donne. Walid, ça va, Walid. Ouais, moi ça va, non, ça va pas non, en fait. Ça, non, ça va bien ou ça va genre... Non, ça va vite fait là, waouh. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, Walid? Je suis énervé. Wesh, et comme toi. Ok, je me calme, mais non, je suis comme énervé. Les 5000 dollars, Omar, ils sont où? Quels 5000 dollars? Omar, il est dans le déni. Hein. C'est pas bien ça, Walid. Tu me dois 5000$. Omar, tu te souviens? Pour la construction d'une maison au bled. Tu te souviens quand je t'ai braqué pour mon vol de véhicule? 5000$, j'ai volé 0 véhicule. Toi de ma gueule en plus, Omar. Maintenant, disons qu'on est quitte, ok? Ferme les yeux sur cette fois-ci. Et 2500, je te laisse tranquille. Bon, tiens, Omar, tiens. J'ai 4990. Ah, mais tu vois, c'est toujours Mathieu qui rattrape des bêtises, Walid. Voilà, je te jure, c'est exactement ce que j'ai. 4990. Ah, mais Mathieu, c'est incroyable. Hein. T'es un homme, ouais, vrai. Ouais, bien sûr, je suis un homme, wesh. J'adore le Bob au passage. Hein. Ah, hey, je suis un mec bresson, on voit pas mes yeux exprès. T'es ma, t'es qui tes meufs, regarde. Alors, oui, c'est vrai. Fais le sésame, c'est ta meuf et tout, fais le mec jeune. Dégage. Je connais pas, madame, je suis marié maintenant. Allez, hop. Wesh, comment ça? Comment ça, t'es marié? Vas-y, au pépé. Posez pas de questions, madame. Moi, vous en savez, monsieur. Commence pas à dire t'es marié à la rue, frérot. Voilà, je vais gifler. J'ai dit à la sortie. C'est trop bon, là. Walid. Oui, c'est moi. Y'a des micros dans ton coach. T'as une maison ou pas, Paco? Non, y'a pas de micro. T'as éliminé tous les micros. Viens, je vais dire à Ousmane. Pourquoi tu crois que j'ai des micros? T'es malade, c'est bizarre. Tu crois que j'ai une boucane? T'as une petite d'indic. Oui. C'est parce que la coupe, c'est une coupe d'indic. Exactement. Attendez, madame, quand vous voulez la parole, vous levez le doigt, on vous la donnera. D'ailleurs, Walid, à force de traîner sur TikTok, je suis tombé sur des rappels. Voilà, t'as une coiffure de kofar, croyable, dégradée comme ça, c'est direct en enfer. C'est vrai. Ça me dégoûte. J'ai proposé un business à Omar, on va aller lui chercher la marchandise, d'accord? Qui le OG? Salut, c'est Khlib. Eh Walid, je t'ai pas dit, mais à une époque, je connaissais un fils des putes, ça s'appelait Hamid Raven. C'était le meilleur pote à Khlib. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Khlib, au début, tu sais comment je l'ai connu? Je l'ai éclaté dans un tournant en plein Carrefour. Avec ma voiture, je l'ai éclaté, Imski. Je suis rentré dans sa voiture au casino, il m'a buté. C'est à moi? Oui. Bah t'as encore envie. Ah ouais, c'est quand j'étais un peu énervé, ouais, des fois je suis énervé. Attends, Khlib, tu travailles toujours au Bénis, pourquoi au Bénis, j'ai jamais personne? Je suis plus au Bénis, j'ai lâché. Oh, regarde Mathieu, c'est incroyable, c'est le même scénario. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui travaille. Moi aussi, je vais avoir prêt de temps. Attends, madame, c'est quoi votre prénom, madame? Vas-y, Blake, t'es chaud pour dès que ça ou quoi? Ah, ok. Moi je suis chaud, le temps qu'il y a de la cave, attends, je prends. Vas-y, je vous ramène quelques sachets et tout. Vas-y. Monsieur, on peut faire un petit tour, s'il vous plaît? Et là, je vais. Non, j'ai du business là, je reviens. Je reviens dans 5 minutes. Ok. J'ai des frites, si tu veux. Mais comment ça? Des frites. Attends, des frites. Pourquoi tu veux me passer des frites? Ouais, pourquoi tu veux lui vendre des frites? Ah, mais je fais un petit tour, après je vous passe des frites. Vas-y, j'ai pas le temps, wesh. Mais putain! Mais préviens, wesh! Mais je crois que c'était un cambrioleur, t'abuses! Tu m'as touché à l'épaule, putain! Ah frérot, wesh, tu préviens pas? C'est où le Yellow Jack? Ouais, c'est dans le nord, frérot, t'abuses! Oh! Vas-y, j'irai après alors. Mais elle m'attend. T'attends? Ouais, tu vois pas qu'on aille boire un verre après avec Elise? Ouais, franchement, allez, vas-y, go. Allez, c'est parti. Elle a mes 5000$. Tu sais quoi? Le verre, c'est pour moi. Ah, il est là. Et bonjour, mesdames. Ah. Bonsoir. Bah, rebonjour pour une des deux. Bien le bonsoir. Ah, rebonjour. Rebonjour. Salut, Elise. Salut. Allez, c'est bon, je paye la tournée, c'est parti. Non, c'est moi qui paye la tournée, c'est moi, c'est la moindre des choses. Prenez ce que vous voulez, c'est pour moi. Allez. Ça va, les frères? Ouais, sans alcool. Hein. Sans alcool, ouais, la fête est plus folle. C'est ça, un petit menu sans alcool. Un menu, on a des burgers, des lasagnes, de la salade. Des lasagnes. Allez, va pour la lasagne. Ouais, 4 menus, 4000 lasagnes. Ouais, j'ai la dalle. Ça plaît comment, madame? Moi, c'est Barbara, mais on m'appelle tout le temps Barbie, donc. Barbie? Ok, moi, c'est Mathieu, tout le monde m'appelle Mathieu. Ok. Voilà. Barbara, et vous venez d'où, madame? Moi, je suis d'Australie.
Mais quoi, sérieux? Ouais. Oh, c'est la première fois que je croise une Australienne. Oh, c'est stylé, ça. Quelle ville? Sydney? Bowen. Non, oh, putain, Sydney. C'est une petite ville. Sydney, j'y ai vécu quelques temps. Ah, c'est gentil. Il y a vraiment des requins là-bas ou c'est une légende? Non, non, si, il y a vraiment des requins. Je me suis même fait bouffer par un requin. Mais il t'a mangé quoi? En fait, attends, je te montre, je lève un petit peu ma robe. Tu vois là, les derrière mon volet, ma cuisse. Attends. Là, ici. Ah oui, oui. Là, tu vois. Oui, oui, ici, oui, oui, j'ai un requin qui m'a chopé. Ah, oui, quand même. Oh, ouais. Et ensuite, ça pique. Vois, ah, ça pique beaucoup. Et ensuite, tu vois là, la belle petite ligne qui fait tout le tour de ma cuisse. Ah oui, 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 oui. Bah, il m'a arraché la jambe. Ouais, c'était une prothèse. Pas du tout. C'est juste qu'il y a des médecins extrêmement parfait qui m'ont fait qui m'ont recollé. C'est pour ça, faut les ramener au LSHD, hein. Ouais, c'est les barres. Oui, ouais. C'est pour ça que t'as une jambe plus petite que l'autre, en fait. C'est moi la facture. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est moi. Ah, allez. Attends. Ah, c'est moi. Elle est grave gentille, c'est une Australienne. Ouais. Oh, incroyable, mais attends, moi je suis en contact avec Lizzie. Ah, tu préfères Lizzie, toi? Ouais, elle est super gentille, Lizzie. Ok, bah tu me laisses Berbère alors. Quoi? C'est mon dossier, hein. Ok. Tape 5. Hop là. Oh. Oui, du coup. Walid, on a plus que des menus burgers et des salades. Je suis vraiment désolé. Ouais, mais... pour ton ventre, prends la salade. Salade. Ouais, salade. Tiens, j'ai la lasagne. Tiens. Ah. Oh, elle est trop mignonne. Merci. Mais prends un menu pour Lizzie. Un jus de houblon, du coup, on a dit. Et un jus de houblon. Un jus de houblon. Houblon, s'il te plaît. Houblon. Hublon maintenant. Hublon, gars. Ouais, mets un hublon. Ça va, Lizzie? En ce moment, c'est comment, les petits et tout? T'es marié? Les petits. Marié, non? Attends, mais c'est quoi ces questions? T'as entendu les questions? Wesh, Lizzie, ça va quoi, les petits et tout? Alors, t'es marié? Mais what the fuck? Mais regarde, il s'est passé dans ta tête. T'as pas vu toutes les mises à jour ou quoi dans ton cerveau? Tout m'a trop. En fait, je pense que toutes les questions sont pas sorties dans le bon ordre. En fait, il veut juste savoir si t'es célibataire parce qu'il veut pécho, voilà, c'est tout. Voilà. Non, je suis pas célibataire. Voilà, allez, dégage, c'est bon. C'est pas grave, je paye quand même le verre, Lizzie, parce que je t'aime beaucoup. T'as pas trop le sens? Je paye tout. Non, mais attends, une beauté pareille, ça se paye. Waouh, ouais, d'accord. Elle est grave respectueuse et grave gentille. Ouais, c'est normal que je l'invite. Ouais, elle est grave fidèle aussi, donc dégage. C'est gentil, merci. Oui. Et voilà, cher ami. Et voilà pour vos madames. On est d'accord que les gars, ils sont toujours super, super gentils au début quand ils veulent ken les meufs. On est d'accord. Bien sûr. Et dès qu'ils en ken, allez, salam alaikum. Ou dès qu'ils pensent que. Enfin, dès qu'il n'y a pas moyen, quoi. Non, quand il n'y a pas moyen, au contraire, ils sont méchants. Ils sont agressifs. Oui, donc c'est pour ça maintenant. Ah, je comprends maintenant le style des tongs et claquettes et tout. C'est bon. Wesh! Okay. J'ai une carte trésor ici ou quoi? Bonsoir. Non, mais bonsoir. Tu sais pas, t'es rentré avec une lampe torche et tout? Ah, comme ça. Ah, okay. Okay. Bonsoir, okay. Disons que quand je cours, je me casse vite la gueule. Bonsoir. Donc j'aime bien être à l'aise. Qu'est-ce que vous servir dans ce magnifique bar? On est venu payer pour ce hagar demain. Ah, demain, venez, on fait un test des armes. Si vous me battez, je vous paye les frais d'inscription. Allez, venez. Vas-y. Allez, chaud. C'est parti. On peut faire 2v1 ou pas? Ouais, bien sûr, on fait 2v1. Ouais, je crois que j'allais faire un V5. Ah, ok. Mais t'es cru, wesh, on est en 2022, Roya, wesh. Attends, je m'échauffe. Je les prends en 2v1 là. Juste, attends, Roya, je tortille un petit peu mes fesses. Allez doucement, messieurs, d'accord? Vous êtes deux, il est tout seul, ok? Bah, on va pas trop faire ça, merde, tu vas voir. Oh là, crois-le. Ah, ok. C'est bon, t'as fini là de faire la shot là? Attends, 2 minutes, wesh! C'est bon, je suis prêt. Allez, venez. Ah ouais, comme ça! Ah ouais! Bon, alors là. Attends, merde, attends. Bon, alors là. Oh, mais 2 sur 1 quand même, voilà. Les gars. Voilà. Oh, fils de pute, t'es naze. Ouais, c'est bof, hein. Ah, écoute. Je suis déçu. Y'a même pas eu le coup d'envoi où j'ai même pas dit Adjime. Ah, ouais, j'ai même pas commencé. Je me suis mis en place, ils m'ont attaqué. Allez, s'il vous plaît, vous êtes bien ou pas? Vous êtes bien ou pas? Attends, je remets mon bob. Attends, mais je mets ma tenue de guerrier, moi. Attends, j'arrive. Bah oui. Oh, ils sont pas prêts. Oh, la tenue du Vietnam. Oh, ils sont pas prêts. Oh, vous êtes morts, les mecs. Pas ton infirmière personnelle. C'est pas un cosplay, respecte l'artiste. Ok, are you ready? I am ready. Let's go. Voilà, allez, dégage. Bon, allez, lève-toi. Bah tenue de guerrier, bah oui. Allez, je retourne au Vietnam, les mecs. Salut, bon courage. Attends, c'est beau. Alors, ouais, putain de merde. Stop, ding. Ladies and gentlemen, the winner is Mathieu Kranes. Tout va, putain.
je pose la question quand même, mais tout va bien. Ah oui, 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 bah, pour moi, oui. Oui, bah, c'est pour ça, vous allez regarder super. Ça va. Ouais, Omar, j'arrive, regarde. Vas-y, on t'attend à la même position. Putain, on a oublié Omar. Ah ouais, c'est vrai. Lizzie, madame qui travaille pour Lizzie, prenez soin de vous. Barbie, on se dit demain, 21h30, merci à vous. C'était un réel plaisir et je passerai beaucoup plus souvent du coup. Bah nickel, avec grand plaisir. Eh oui. Salut Barbie, salut Lizzie, à bientôt les filles. Salut, bonne soirée. Merci vous aussi. Merci. Allez, salut les losers, vous allez payer pour vous-même. Ah, c'est le halipoto, voilà. Ouais, t'inquiète, on est ensemble, croyant. Si tu veux 20 dollars, je l'ai pas, c'est normal. Non, t'inquiète. Que ma mère te dit, en deux. Non, t'inquiète. Même la daronne en plus. Yo les boys, ça va quoi? J'ai mis ma tenue de business là, ma tenue Vietnam. Mode guerrier. Hein. Ah, croyant, c'est... Non, c'est le Vietnam, c'est ma tenue Vietnam ça. Ah, excellent. Vas-y, je passe à qui la marchandise là? Je passe n'importe où. Vous vendez ça, vous me dites combien ça vous a rapporté et après on se met d'accord sur un prix. Vas-y, tiens, va vendre vite fait s'il te plaît Ali ou quelqu'un d'autre. Ah, bien. Va au banc là, derrière là, tu peux aller direct. Vas-y, en deux, frère. Pourquoi de neuf depuis? Mais Walid, t'en as pas marre, wesh? Walid! Mec, on est consulté, croyant là! Mais laisse-moi travailler! Là, je travaille! Oh lolo! Attention, votre tir, elle va finir sur YouPorn et tout. Je le connais par cœur, lui. Là où? Ah, je le connais par cœur. Hein. Les gars, il a deux viols à son actif. Allez consulter son casier judiciaire, hein. Deux viols à son actif. Quoi? Ah, il a violé des meufs, hein. C'est un dangereux, ce mec, hein. Walid! Ah, ça, j'ai vu, t'es une ruse, voilà! T'as pas vu le hashtag sur Cookie, balance ton Walid! Non. Ah ouais, mais ça va tourner bientôt. Ah, calme, reste. Arrête. Avec ta coupe de violeur, de tueur en série là. J'ai absolument rien à voir dans cette histoire, ok? Voilà, je suis coupable d'être innocent. Voilà, j'ai laissez-moi tranquille. Nous sommes tous là. Oh putain. Vous venez d'où, de Russie, madame? Oh putain. Tu vois, ça recommence. Petersburg. Hein? Saint-Pétersbourg. Ah ouais, y'a quoi, Saint-Pétersbourg? Y'a des Russes, connard, truc à quoi? Comment ça, connard? Voilà, non, elle a pas dit connard, elle a dit connard. Si, ouais, comme ça, tu vois. La dame, elle m'a donné 240 et le mec, il m'a donné 220. Ah ouais, on va dire 230 alors. Écoute, tu nous fais à combien? Je pense 170, c'est un bon prix. Non, les gars, comment on dit la Newport Conseil? Laissez-moi réfléchir, dis-moi, on se donne rendez-vous, wesh. Vas-y. Mais t'as combien de stock environ? Je crois que j'ai 400 petits sachets là. Vas-y, bah je pense qu'on va tout prendre. Ouais, ah ouais. Tu me fais un bon prix. Ah ouais, c'est riche, hein. Ah ouais, ça marche. Vas-y, les gars, je vous tiens encore demain, je vous donnerai le prix et tout. Et puis, vas-y, carré. Vas-y, les mecs, à demain. Il est parti. La portée à l'instage avec la meuf. Mais vous le laissez faire, vous dites rien, wesh. Mais c'est une rue, ça va le démarrer s'il faut. Bah pourquoi il revient tout seul? Là, il est venu tout seul là. Ah non, il a changé de tenue. T'as envoyé un missile, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu reviens comme ça? Laisse tomber. Au secours, il a voulu me faire de la dinguerie là-bas. Putain, j'ai peur. Tu vois, j'en étais sûr. On va pas laisser ton Walid. Il est tous en photo. Elle m'a dit, mais Walid, t'es trop frais maintenant. T'as fait quoi là? Allez, ça va finir dans l'eau. Elle m'a dit, je suis trop chaud, tu connais pas quelqu'un pour m'éteindre. Mais pourquoi tu violais toutes les meufs, toi? J'ai rien fait. Ouais, c'est grave, oula. Tu sais nager ou pas? Non. Tu sais pas nager? Non, je sais pas nager. Fais pas le con. Allez, dégage, connard. C'est pas possible, voilà. C'est bon, tu t'es refroidi maintenant, connard, va. Dis-moi, vu qu'on est que nous trois, Mathieu. Oui. Quatre. Toi, le patron du Burger Shot? Ouais, c'est moi, ouais. Dis-moi. Moi et Blake, on est des clients fidèles. Tout le temps, on vient prendre des burgers bien bizarres, des menus chelous. Ouais. Tu nous crées un menu Omar ou Blake? Bah, tu sais quoi, Attends, on m'appelle. Ouais, moi, je veux de l'ananas dans mon burger. Oui, bonjour, monsieur. Moi, tu bécones halal et je bécone pas halal en même temps. Je vous ai fait un appel là. J'arrive. Ouais. Magnifique. Putain, je dois livrer les flics, ça me dégoûte. Attends, mais il est où, Walid? Ah bah il est noyé. Mais il est sérieux? Il est en train de remonter, il arrive. Oh dommage, putain. Vas-y, je réfléchis à votre propriété. Attends, il a niqué une meuf, fils de pute. T'es un grand malade. Ouais les boys, je peux vous aider? Mais croyez, mais t'es devenu un parasol quoi. Viens, on va livrer des filets qu'ils veulent des menus. Madame, désolé, on essaye de se voir plus tard, ok? Vas-y les mecs, à demain, tchao, bisous. Vas-y. Tu vas voir quoi, UFC ou... Vas-y, UFC, vas-y, go UFC. T'es sérieux? Ouais. Allez, dégage, clochard. Un malade lui. Tu changeras jamais, Walid, hein.